Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre let's play Starfield. J'espère que vous allez bien. On va continuer poursuivre cette quête principale, cette épopée légendaire. On va aller se rendre du coup à la loge, on va aller rendre l'artefact. Et on va aussi essayer d'aller récupérer une armure. Une armure plutôt cheatée. Hop. J'ai pas mis mes comptes de distance, ça commence bien. Je suis à votre service, capitaine. La toute dernière recrue de notre petite famille s'est bien démenée. Vous êtes pas blessé ? Vous avez pas laissé Cora toucher à l'artefact, j'espère. On ignore encore quels seraient ses effets sur quelqu'un de son âge. Bon. Vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, il est temps qu'on trouve encore d'autres artefacts. On crée quoi déjà ? Il ne semble émettre aucun signal ou aucune fréquence. Je relève rien. Ça veut rien dire. Cette chose pourrait bien émettre un signal que nous ne savons pas détecter. Pour ce qu'on en sait, on pourrait très bien être en train de créer une bombe qui nous fera tous exploser. Ou alors c'est peut-être un jouet interstellaire, ou un truc dans le genre. Pourquoi ces objets diffuseraient à leurs découvreurs des visions et de la musique ? C'est un message. J'en suis certain. Il ne nous reste qu'à espérer qu'on en saura plus en trouvant d'autres. Je comprends. Avancer revient parfois à tâtonner dans le noir. Je crois que Cora et moi aurions besoin de repos. Mais revenez me voir si jamais vous voulez refaire équipe. Oh, et puisque la question revient souvent, ma petite copilote et moi, on bosse en équipe. Ce n'est pas négociable. Si je viens, Cora sera à bord de votre vaisseau. Pourquoi pas ? Moi, je l'aime bien. Qu'en penses-tu, Cora ? Moi, j'adore rencontrer des gens. Ça fait de nouvelles histoires, de nouvelles données. Hein ? Des données ? D'accord. C'est bon pour nous. Voyons voir ce que la galaxie nous réserve. J'espère que vous passez une bonne journée. Sarah est la meilleure personne qu'on pouvait espérer pour diriger Constellation à un moment pareil. Au revoir. Attends-toi. Pas du tout. Ok. On se voit plus tard. J'espère que vos quartiers vous satisfont. C'est juste, on continue quoi, la quête principale. Donc maintenant, on peut aller faire dans l'inconnu, parler à Vladimir. On a fait le nid de vide. Pas compliqué. Alors, on peut récupérer une armure. On va se mettre super bien. Un petit glitch. Rapide et efficace. Ici même. Devant ceci. Donc une vitrine avec une porte verrouillée. Sauf que, ils ont pas fait gaffe que glitcher, voilà, et récupérer le casque spatial, la combinaison spatiale et le Mark 1 sac. Et ça, c'est stylé. Parce que là, du coup, alors certes, il n'y a pas d'effet dessus, mais on est vraiment sur des choses 66, 64, 68, sur des grosses valeurs, quoi. Idem là. Et des missiles. Après, le problème, c'est que du coup, on n'a pas de. C'est pas légendaire, quoi. C'est le seul problème. Mais je sais qu'il y aura une autre combinaison qui est tout aussi bien que celle-ci, mais avec des effets en plus. Montre avec. Tiens, j'avais pas eu cette arme-là. Il est aussi bien que celui-ci ou pas? Ouais, carrément. Hein. C'est un pistolet aussi. Viseur laser, viseur réflexe, poignée tactique. Munition chauffée à blanc. Et le meilleur qui est dans ce tir. Une masse un peu moins élevée, mais et il a un chargeur meilleur. Par contre, il fait quand même 62 de dégâts, quoi. On va le tester. Hein. Gros jouet quand même. Voilà. J'ai pas encore de tenue. Tenue. Ça, je sais pas, est-ce qu'on peut aller en choper une? That question. On est d'accord que là, vu que j'ai rien sur moi, ça compte pas. Ah, si. Protection balistique.
La meilleure attaque, c'est la... Ouais, vous connaissez la suite. Protection, mais là, j'ai rien. Pas du tout de quoi mettre ici. Adhésif, micro-régulateur. On a vraiment des choses. Ah, je peux rien faire. Est-ce qu'il se bat sur... oui, bah oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses normalement qui sont dans mon vaisseau. Alors, je les améliore un peu de ce que je peux au moins. C'est le seul truc que je peux faire, visiblement. J'aimerais bien avoir une meilleure tenue aussi. Ça, je suis pas allé voir. On va pouvoir aussi faire des farms et tout à un moment donné, mais après ça on verra comment j'agence. Il est en train d'utiliser. Oh. Ça a quoi ça? Ah ouais. Terminé. Comme ça, ça on a appris à le faire. Ça, il faudrait que je les fasse à un moment donné. Robot. Ouais, pour les avant-postes. Ça, il faudrait que je les mette à un moment donné. Ouais, c'est pour certaines choses aussi. Ah, c'est la casse-pied, hein. Il y a plein de trucs et tout, mais... Pose de cuisine. J'avais qu'on oublié qu'il y avait ça. Allez. J'aurais été curieux quand même d'aller voir. Non, bah c'est pas grave, de toute façon pour la tenue, on n'a pas besoin. Nous en combat, on a l'autre. On va se débrouiller avec ça. J'ai un point de compétence. Débloquer un peu là dans celui-ci des ressources et tout, ça sera déjà pas mal. Maintenant on va aller dans inconnu, on va aller sur mettre le cap. Je comprends pas. Dans le vide, parler à Vladimir. Ah, sur Iris. Eh oui, la station spatiale qui est là, j'avais pas piégé. Mais oui, d'accord. Mais oui, c'est clair. J'ai des choses pour vous. Station orbitale autour de New Atlantis.
Hop, ça m'arrête. Incroyable. Genre, cette caméra essaie de lui rapprocher. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Très bien. Ouvrons le sas et passons à la suite. On va tester un peu nos armes, notre armure. Et ça, c'est une armure qu'en fait, on a que quand on crochette. Le truc de niveau mètre, mais c'est long à atteindre quoi. Donc là en fait vraiment avec le petit glitch bah tu peux l'avoir assez rapidement, facilement. On a une bleusaille sur le pont. Ravi de voir que Constellation fait venir du sang neuf. Ça faisait une éternité que j'avais pas vu ta sale tête. Je suis bien content de te revoir. J'aurais donné cher pour voir les artefacts fusionner. Mais je suis tombé dans la spirale de l'Iris. Ah non, ça c'est moi qui l'ai inventé. L'Iris, c'est le surnom de la station. C'est comme un gros télescope. J'ai toujours préféré travailler seul, même avec des gens que j'apprécie. Mais là, c'est un effort collectif. Je ne connais pas de groupe plus à même de dévoiler ce mystère. Quant à l'Iris, la station, elle est équipée pour effectuer des analyses de l'espace lointain. Barrett et Sarah ont découvert les signes permettant de localiser nos artefacts après avoir mis la main sur le second. Mais les données remontent lentement de la mer de lumière. Sans astromoteur, les confins de l'espace sont à des années, voire des décennies. Peu importe la qualité du scan. Il ne fait que capter de la lumière et elle n'a qu'une seule vitesse. Sans compter tous les corps célestes en chemin. Tout ça nous facilite pas la tâche. Je peux pas tout te donner d'un coup. Je te donnerais pas ce tuyau si c'était une perte de temps. Je te donne le meilleur de ce que j'ai, pas plus. D'autres membres de Constellation y seront. Andrea et Matteo suivent tous les deux ces relevés. Matteo est sorti récemment. Ah, j'en ai marre là, c'est problème. Mais Andrea, ça fait longtemps. J'aime pas jouer les vieillards inquiets. Mais je suis plutôt jeune et je suis inquiet. Une autre recrue de Constellation qui veut se faire un nom. Elle travaille en solo. Je la comprends. Alors j'essaie de veiller sur elle un peu plus que les autres. T'as sans doute raison. Mais il m'est difficile de pas penser à tout ce qui peut se passer quand on brûle de l'hélium dans l'espace. Vous devenez paranoïaque avec l'âge, Vlad. Andrea va très bien. Elle devrait se trouver sur l'un des deux sites indiqués sur ta carte stellaire. Elle est assez grande pour s'en sortir, mais on peut tous avoir besoin d'aide à un moment. Quoi qu'il en soit, j'espère que la chance te sourira et que tu rapporteras d'autres artefacts à étudier. Bonne chasse. Ok, rendez-vous sur... Waouh. Oh bah, Pizzaï, Piadi. C'est pour ça que j'ai raté ton comité d'accueil. J'étais en train d'étudier toutes les données fournies par l'Iris. Je dirais pas non à un coup de main. Ça accélérerait les choses. Des scans planétaires à jour nous aideraient à filtrer toutes ces données en amont, et peut-être même à repérer des anomalies. Et puis, Constellation saura bien te glisser quelques crédits, pour l'exploration des étoiles, et tout ça. Quand t'es en orbite autour d'une planète, les scanners de ton vaisseau captent toutes sortes d'informations. Traces de vie, ressources, structures inattendues, toutes ces données sont téléchargées, et tu peux les transférer à ceux que ça intéresse. Et personne n'est plus intéressé que Constellation. Top là alors. L'espace t'attend. Va donc brûler de l'hélium. J'y vais quand ils ont besoin de moi. La solitude ne me dérange pas la plupart du temps. Et l'Iris est important. Mais je devrais passer plus souvent. On peut pas laisser Walter être le seul à tenir le bar, où tout le monde va s'habituer à ses cocktails de seconde zone. T'as déjà entendu parler de la déclaration du Centaure ? Le traité qui déclarait le droit de chaque être humain à coloniser les étoiles. Elle avait été volée par un bleu de la flotte écarlate qui voulait être capitaine. Une vraie beauté, accrochée au-dessus de mon fauteuil comme si tous les systèmes occupés n'attendaient plus que moi. Des années plus tard, me voilà à la retraite. Quand notre chère Sarah Morgan fait irruption dans mon histoire. Des étoiles dans les yeux et la tête pleine d'infos que je pensais avoir tout fait pour enterrer. Évidemment, je me promenais pas avec la déclaration du Centaure dans les poches. Elle était dans mon vaisseau avec son nouveau capitaine, dans la flotte que j'avais quittée. Pour la faire courte,
Sarah et moi, on a restitué le traité à ses propriétaires légitimes. Et j'ai décidé de rester ici. Cette mission a bien besoin des leçons de sagesse d'un vieux pirate. Oui, normalement. J'ai déjà abusé 3 fois de la générosité de Dame Fortune. C'est une longue histoire. Mais si jamais tu veux me rendre visite, j'ai une maison dans les étoiles. Je pensais que j'y verrais l'éclipse de ma vie. Ma constellation m'a emporté. T'y suis pas retourné depuis que je suis arrivé sur l'Iris. Si jamais t'y vas, oublie pas d'éteindre les lumières en partant. D'accord ? D'accord. L'Iris ne verra plus rien de nouveau pour le moment. Et les ténèbres reculent d'une chandelle de plus. Ah, j'ai rien. On s'échangera des mots plus tard. Kit de soins. Tant bien, c'était là où j'avais une quête à faire et que je n'ai rien compris. Donc ça se trouve, hein. On va être amené à aller fouiller. Ah ouais, c'était là où j'étais allé. Bah, let's go. Hein. Niveau 10. Ouh. Ouah. Atterrissage. Ah ouais, du point de vue de terre. Le truc, il est énorme. Sans mourir, c'est déjà une... Je transporterai tout ce dont vous avez... Il a besoin de ses armes, je peux les prendre. Faites gaffe à vous. Trouvez l'artefact sur Piedi. Ah bah j'avais commencé parce que j'étais quasiment sûr que c'était par là. Il y avait sûrement le truc à faire là, le truc d'analyste. Ah mais il est là-bas. Je crois qu'il est juste resté bloqué ce débile. Okay. Et moi qui croyais que j'étais pas seul. En fait si. C'est une zone de cuivre. Alors on va savoir où est le cuivre. Ramasser, je crois pas. J'aurais bien voulu analyser un peu la planète pour peut-être faire ma quête, mais. C'est la seule où je vois la fameuse ville là qui vole.
Let's go, caverne. Je faisais de la spéléo avec mes potes quand j'étais jeune. Bizarre ce mot, spéléo. Reste sur tes gardes. Comme ça qu'on termine le boulot. Il y a des tourelles. Elles veulent ma mort. Chose récupérer ici là. Ah merde, je peux pas la déverrouiller. J'ai pas la compétence maître. Vous avez récupéré un objet de contrebande, il est illégal de le conserver sur vous. Ah merde. Ah merde, lâche-le parce que j'aurai des soucis. Composant méca. À droite et gauche, on va récupérer pendant qu'on fait. C'est pas du scotch qu'il me fallait pour certains crafts. J'ai récupéré. Elles veulent dire qu'il y avait du monde. Des gens qui visiblement ne veulent pas le déranger. Préfériez pas stocker un bout de tout ça? Oh, c'est une suggestion. C'est vrai que je stack beaucoup.
Je pourrais. Allez, tiens. Je ramasse. Ça, on a fait. Une toile là-haut à récupérer. Ils ont du matos aussi, mine de rien. Et le minerai. Je vais lui stocker des choses. C'est vrai que j'y pense pas assez en fait. Que je pourrais lui donner. C'est nickel les nerfs. J'ai l'impression dans une grotte Minecraft où ça ne se finit jamais. Il y a des silons qui partent à droite et à gauche. Par rejoindre un endroit que je connais, non? Pitié. Ah oui, d'accord. Ah oui, on a fait un grand tour. Je crois, non? Je suis mal à l'aise avec exactement ce qui vient de se passer. Je veux juste des ressources. Toutes les ressources. Oups. Je suis bloqué. Non. Ouais, ici. Allez hop, ça part. Je prends toutes vos ressources. Vraiment, c'est drôle, le fait de sortir en rentrée. Ah, vas-y, hein, let's go. Ah, ouais, si je tape dedans, normalement, c'est bon. Hein. Il n'y a pas d'icône en fait. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y en a sans qu'il y en ait. Mon dieu, c'est pété. La fusionner. Les ressources. Ça s'appelle de la Kaelinite. Bah nickel. Je prends tout que je veux.
Attends, il y en avait en bas. On va finir, hein, c'est un peu long. Ah, débloquer un objet de minage plus pétant, on dirait. Trouver de Zera. Ah, tu vois, c'est ça qu'on a transformé là, cette grosse boule de. Et maintenant, ça fonde même plus, on est devenu trop fort. Allez, viens là. Partons pour une petite aventure. Si vous avez besoin que je porte un. Mon inventaire. Je vais aller dans tout. Non, je vais aller dans ressources. A plus. A plus dans le bus. Voilà. Ça maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met le cap là-dessus. Et on fait bam. Pas besoin de prendre le vaisseau. Pas besoin de décoller. Directement, c'était bien. Et. Faut aller à la mine abandonnée. Ah, c'est une grosse récolte. Une quête pour un artefact, et maintenant on va récupérer à l'appel. Avec les données de l'autre Tekezouille. On se pose. Tout est dans le verre. Ah, faut juste que je perde mes matos. Ça me fout. En quoi puis-je vous aider? Mais elle est là, Sarah. Salut, capitaine. J'avais besoin de quelque chose. Ravi de pouvoir équilibrer la charge. C'est vrai que c'est pratique quand même quand tu penses. Le partage des richesses? Je crois que je viens de tout le prendre. Inventaire. Pierre Tombal, c'était à lui. Oh mince. Il n'y a plus avoir de mission non plus. Il a quoi comme. Je dirais pas loin. Mission 11 mm. J'ai peut-être ce qu'il vous. Tout ce qu'il avait, hein. Sinon, je crois carrément qu'il peut piquer. Et ensuite, là, je vais aller stocker toutes les choses que j'ai peur ici. Je sais pas ce scotch. Pourquoi j'ai ramassé ça en pensant que ça allait m'amener quelque chose de bon. Je ne sais pas. Et là, je suis à combien? Je vais y arriver. Ça, je voulais tester aussi. Pas beaucoup de place, au pire j'irai stocker sur lui et on fera un point sur l'inventaire un peu plus tard. Je pense qu'après cette vidéo là, je pense que je vais faire les missions Ranger. J'ai envie de les faire. Mission UC aussi. Benzen. Pas le truc adéquat, Il y en a plein partout cette saleté.
sais comment pour aller récupérer ça. Une mine abandonnée. Et ben, il y a là pas mal de choses. Ah, il y avait une mine. J'ai même pas fait gaffe. Établi industriel. Très bien. Caverne profonde, bon, on y va, on continue. Hein. Dans les mines abandonnées. C'est surprenant quand même que... Ne faites pas un pas de plus. Identifiez-vous. On dirait déjà. Ah, je vois. J'aurais dû m'en douter. Mon dernier rapport remonte à trop longtemps. On dirait qu'on a un peu surréagi en voulant voir si tout allait bien. À en juger par le cadavre, et tout. Vous êtes la nouvelle recrue, pas vrai? Est-ce qu'il vous envoie souvent vérifier que les autres membres vont bien? Je suppose, oui. Et pourtant, vous voilà. Au lieu d'aller voir Barrett ou Noël. Nous perdons du temps. Nous devrions finir notre mission, on parlera après. On est ici pour l'artefact. On devrait avancer. Cartouche. Ça vaut toujours le coup de vérifier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Un ordinateur, Starware. Interface de commande du robot inactif. Activer des unités. Ça m'a l'air d'être long. Attention, je suis serait préférable que vous quittiez cette zone. J'ai pas plus de cibles hostiles. C'est violent, non? Il y a une balle, frère, il a volé. Je suis pas bien, statue. On regardera ça un peu plus tard. Ouais, je vois que ça m'en veut. Écoutez, moi je prends le petit chemin, je vais laisser se battre. C'est bien malin de se mettre sur mon passage. Le pompe au corps à corps, il fait mal. Ça vaut pas le coup. Maintenant, on s'amuse. Je tente de rétablir le contact avec l'ennemi. Je subis des dégâts. Parce que moi, je n'ai pas de mode en fait. Et à moi. Un peu long hein, quand même. Faire jouer quand même avec ça là. Bien bourrin. D'accord. Hein. La vieille mine. Parlons-en. Cache-tête. Cré.
crédit, du soin. Je crois que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Vraiment. Voilà, ça y est, j'ai une surcharge. Pour ceux qui me disent que j'aurai des problèmes d'oxygène. Ça fait du bien de sortir. Vous voulez que je porte quelque chose pour vous ? Inventaire. Ça ne m'y perd pas beaucoup, mais... Ouais, j'avais fini, moi aussi. Calouvor. Un calouvor, dites-vous. J'ai vu des trucs s'afficher depuis mon compte. Ils sont loin. J'arrive. Te voilà. C'est tout ce que tu sais faire ? Tant que j'arrive, elle l'aura tué. C'est tellement mal. Vous êtes tellement beau de tirer avec une violence pareille au corps à corps. Soin essentiel. Vous possédez un objet qui peut soigner une affection que vous souffrez actuellement. Ah. Ce truc. Je me disais bien que j'avais pas de soin. D'accord, donc en fait il t'avertit quand, quand tu l'as. Ah, c'est intéressant. T'as aucune chance. Pardon. Complètement loupé, mon gars. Une cible en moi. Ouais, je m'attendais pas à tomber. Putain, je suis tombé où là? Oulala, je comprends rien. Ah oui, d'accord, j'ai fait tout le tour. On va foncer dans le trou et puis on va. C'est des boîtes à l'intérieur, hein. T'as pas le choix. Non. Ah, il faut regarder derrière soi quand même, hein. On va en tirer de traversée là. Planqué et continue à tirer. Si ça vous fatigue de ramasser ces objets de valeur, je veux bien aider. Oui, je sais, j'ai le cœur sur la main. Andrea. Vas-y, viens là, alors, mon cowboy. Comment c'est... C'était comme vous imaginiez ? C'est bon alors. Alors, comment c'était de voyager en compagnie du seul et unique descendant du légendaire Solomon Co? C'était comme vous imaginiez? Ce serait bien la première fois. Ça me change un peu d'être avec vous. La plupart des gens entendent Co et se demandent quel miracle je vais sortir de mon chapeau. Les légendes sont souvent constituées de vent. Solomon, c'était un homme bien, un grand homme. Mais s'il entendait toutes les conneries qu'on raconte sur lui aujourd'hui, il leur foutrait une sacrée raclée. Oui et non. Il y a eu une époque
Avant Cora, où ça me pesait énormément. J'avais l'impression que tout ce que je faisais ou faisais pas était comparé à notre héritage glorieux. Y a de quoi devenir dingue. Maintenant, j'espère simplement pouvoir guider Cora vers... je ne sais quoi. Si c'est ça, je vais pouvoir donner à Cora une éducation digne des meilleures universités. Pour mon père, Cora et moi, tout commence et tout finit avec Solomon Co. Il a regardé les étoiles et a rêvé d'un moyen de les atteindre. Imaginez être la première personne à découvrir un nouveau système et se poser sur un nouveau monde. C'est du très lourd. Et aujourd'hui, je verse dans le sentimental. Vous avez une mauvaise influence. Vous allez me faire rougir. J'espère que la BD qu'on écrira sur nos aventures sera mieux que cette espèce de torchon sur Solomon. Les trucs qu'il publie, c'en est presque gênant. Ah, c'était marrant, il a discuté avec Tony. Je sais pas vous, il a... si vous avez besoin de quelque chose. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Inventaire. On va aller dans les divers. Non, dans les ressources. Et ouais, ce sera déjà pas mal. Après, on aura sûrement encore. Hein. À la prochaine. Que je vais devoir miner ce qui est autour de l'artefact. Pas pensé à miner jusque là. On se bat beaucoup et je pense pas à récupérer les ressources. Tous deux. Les trucs d'œufs. Ça récupère parce qu'à mon avis on n'en aura pas souvent. C'est 3 étoiles légendaires. Très long récup. Très long récup. Mais je le vis. Je dirais que je suis en train de miner de l'obsidienne dans Minecraft. Ça se trouve, ça ne servira à rien, j'en ai jamais besoin d'autant. C'est long. Pour la tête. Allez. Nice, nice, nice. On a tout récolté quasiment. C'est marrant. Tu joues dans l'équilibre, ça vole. J'avais même pas capté, tu vois. Parce
que je viens de voir d'un morceau de mon écran. Montrer un détail. Ah, c'est vraiment intéressant. Tac. Il reste encore du dépôt. Il y a beaucoup d'artefacts, je ne connais pas ce qu'il y en ait autant et aussi rapidement. Vous voilà. Vous ne répondiez plus quand je vous appelais après avoir sorti l'artefact. Est-ce que la théorie et l'histoire de Barrett étaient vraies? L'artefact octroie une vision à la première personne qu'il touche? Le fait que ça soit arrivé à Barrett et à vous est déjà plus que tout ce que nous avions jusque-là. Je crois qu'il est important que nous discutions de ce que vous avez vu. Cet homme. Ce que j'ai fait. En effet. Je suis contente que vous le voyez sous cet angle. Vous êtes pragmatique, une qualité que je ne retrouve chez aucun membre de Constellation. Puis-je vous demander votre passif ? Argos. J'ai entendu parler de cette entreprise. Petite, mais fonceuse. Intéressant. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine, mais par contre, je m'y connais bien en prise de risque. Nous semblons être des ajouts inhabituels pour Constellation. En attendant, j'aimerais que vous ne mentionniez pas à Vladimir les circonstances dans lesquelles vous m'avez trouvé. Ce n'est pas la première fois que des zélotes de Varun s'en prennent à moi. Si on découvre que ça s'est reproduit, eh bien, ça faisait un moment qu'on ne m'avait pas confié de mission en solo. Et je ne voudrais pas devoir attendre encore plus longtemps pour la prochaine. Vous comprenez ? Ça ne vous dit rien ? Étonnant. Peu de personnes n'ont jamais entendu parler d'eux. Ce sont des fanatiques qui ont pris les enseignements de la maison Varun et qui les ont dénaturés. Ils en ont fait une croyance qui affirme que la galaxie doit être nettoyée avant le retour du Grand Serpent. Ah oui. Donc, personnellement, je dirais que j'ai rendu service à la galaxie. Oui, mais on dirait qu'ils n'ont toujours pas retenu la leçon. Après, c'est leur problème fondamental, n'est-ce pas? Une incapacité totale à voir autre chose que la voie qu'ils ont décidé d'emprunter. Si c'est le cas, qu'il en soit ainsi. J'essaie simplement d'éviter les complications. Une inquiétude inutile pour Vladimir. Ça devrait vous sauter aux yeux que je sais parfaitement me débrouiller toute seule. Je vais finir ce que j'ai à faire ici et rentrer à New Atlantis au plus vite. Partez, ils nous attendent sûrement déjà. Il est où mon petit Kou là? Je vois pas ça le coup. Il faudrait qu'il soit là pour que je puisse lui filer des trucs. Ça embête un peu. Je sais pas ce qu'il est. On est très très surchargé, bah j'imagine. En plus j'avais pas vidé trop mon inventaire. Mais en vrai ça tu peux jeter. Il y en a quoi d'autre? Voilà. Ça. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Et on va aller chercher, du coup, ajouter les artefacts à la collection. Ni plus ni moins. Et on va récupérer des trucs sur Samco. Ah ouais, merde. Ah, faudrait d'abord, peut-être que je me re-TP au vaisseau. Pour tout stack. Je vais bientôt être à nouveau full. À force de récupérer des ressources comme un gros bourrin. Ah mince. Tac.
vais aller aux frontières. Faut que j'aille vendre des objets, que j'aille vendre 2-3 trucs que j'ai, stocker aussi ce que j'ai. Si j'ai mon avis, je vais plus avoir de place. Et les soutes du frontière ont bientôt été pleines à Rabot. On fera une base en fait, hein, à la rigueur. Putain, mais je sais pas. Ah, parce qu'il y a une... La galaxie est trop grande pour rester quoi. Si vous trouvez un nouveau piste. Il voulait un nouveau pistolet. Je dirais pas non à une petite amélioration. Au revoir. Tac. Oh. J'ai voulu save et puis je suis tombé dans les escaliers. Ça c'est vraiment relou. Ah, une base, un nouveau vaisseau. On pourra bientôt se mettre à jour. Enfin, le Quête Ranger, je sais qu'il donne des choses intéressantes. Ce que j'ai pu voir. Donc lui, le frontière, il attaque combien? En vrai, ça va. 500 sur 800, il me reste 300. Ça va se compléter petit à petit, mais on n'est pas trop mal. On aura torché la mission, là. Attention, le but c'était de la faire, hein. C'était quoi? C'était la deuxième étape. On avait fait une vidéo, une ligne vide. Je fais une vidéo sur l'inconnu et l'au-delà. Chaque fois, on va voir si je continue ça ou non. Vous n'avez rien. Dans les armes, en vrai, ça tu peux le vendre. Ici. Ça, j'ai peut-être envie de la garder, carte de sol maintenant. À vendre ? L'autorité commerciale achète de tout ? Leur comptoir est juste là. J'ai pas vendu les casques que j'avais. Dégagera un peu plus tard. Tac. Quartier du Thames, on va aller à la loge. Ah mince, non, c'est pas bon. Quartier du Thames, pas ça. C'est planté. Ah, du coup, ça recommence. On a 3 bandes et une étoile maintenant. Ah, ça marche. Ah, est-ce qu'on a un truc pour SOTV peut-être? Non. Point de choses à raconter pour l'instant. Alors j'avais commencé à faire une vidéo secondaire, finalement j'ai dû arrêter vu qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et après je sais pas trop où aller, je préfère attendre d'en avoir. Là l'objectif c'est vaisseau.
craft de maison, d'usine ou je ne sais quoi. J'ai vu des trucs passer dessus. KTUC, 4 rangers, ça sera pas mal. Le principal, on a bien avancé. Je suis bien tenté aussi de faire la dernière étape. J'ai envie de tant que la loge sera là, l'exploration pourra continuer. Je suis à votre service, capitaine. Dieu merci. On se faisait du souci. Regardez-vous, je vous envie. J'ai essayé de suivre des pistes, moi aussi, mais je suis revenu les mains vides. Ils peuvent être partout, pas vrai? Pris dans la roche ou aux mains d'un innocent marchand de babioles? Je me surprends parfois à fixer la collection en me demandant à quoi tout ça rime. C'est peut-être ce qu'ont ressenti nos ancêtres en découvrant les étoiles pour la première fois. Ils se sont pas contentés de lever le nez, Matteo. Ils ont exploré, ils ont testé. C'est la science qui nous a conduits dans l'espace, pas des balades au clair de lune. Je suis pas d'accord. La science permet à l'humanité de rêver, hein? Et d'où viennent ces rêves? Tous les rêves ne sont pas plaisants. Je suis d'accord avec Noël. C'est le travail qui nous fait avancer. C'est quoi cette tenue, quoi? Vous êtes de mon côté, hein? La science ou les rêves? Lequel est la vraie muse de l'exploration spatiale? Mince alors, les réalistes ont fini par prendre le dessus, je suis fait. Y'a que la vérité qui blesse, Matteo. Matteo a encore réussi à nous engluer dans un débat philosophique. On peut pas dire que les deux sont importants? Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai totalement pris le contrôle de la conversation. C'est Andrea et vous qui devriez être en train de fêter cette victoire. Ça me dérange pas de prendre part à un débat. J'étais contente d'entendre les points de vue de chacun. Mais c'est vrai, nous avons réussi quelque chose ensemble. Merci pour votre aide. Je n'y vois aucune objection. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Noël, j'ai extrait des données intéressantes des nouveaux artefacts. Non. Dites à la nouvelle recrue de me retrouver à la station. Oh, merci. Mais c'était pas la peine de vous inquiéter, on a réussi. Oui? Vous n'avez pas à me demander la permission? Demandez-moi, tout simplement. Vous allez trouver ça absurde, mais... je dirais la loge. Je n'ai jamais été entourée de personnes aussi remarquables, y compris vous. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas trouvée quelque part où je pouvais me sentir chez moi. Il y a une infinité de planètes dans la galaxie, mais c'est un sentiment rare et précieux. Je l'ai déjà fait par le passé lorsque c'était nécessaire. Mais je suis pas la meilleure des pilotes, et je préfère mettre mes talents à profit là où ils sont les plus utiles. En ce moment, c'est pour vous aider. Et je pense que ça a donné de bons résultats jusqu'à présent. Honnêtement, je sais pas comment répondre à ça. Pendant des années, mon seul objectif était la survie dans des conditions éprouvantes. Le temps libre était une notion absente, et je me suis habituée à ne pas trop y penser. J'aime bien l'entraînement au combat, mais j'imagine que c'est pas la réponse que vous attendiez. Vous m'avez donné matière à réfléchir. Merci. Très bien. Au revoir. J'espère que vos quartiers vous satisfont pleinement. Ça se passe comment du coup? Là, on n'arrive pas à l'artefact hein, quand même. Hein. Ah, il faut parler à Vladimir. Est-ce qu'on peut créer des choses ou pas? Est-ce qu'on pourrait tenter de modder? Mais j'ai l'impression qu'il va toujours manquer des trucs. Malgré la tonne de choses que j'ai récupérées. J'ai même pas envie d'aller voir. Ça me dégoûte. Je pense que le craft deviendra vraiment important un peu plus tard. Un peu plus tard. Quand on aura avancé, qu'on aura notre base. Il faudrait trouver une bonne planète où se poser. Peut-être aller guetter sur internet. Il m'a pas TP. Ah mais non, c'est vrai qu'il faut s'amarrer. Zouké. C'est vrai que j'ai rajouté des réacteurs en plus. C'est tellement de plus loin derrière. Si on le voit, il le supporte pas. Hop.
Cycle d'amarrage terminé. La mer. Ces artefacts n'étant plus de petites anomalies d'espoir dans la mer du néant, j'ai trouvé une récurrence intéressante. L'anomalie gravitationnelle générée par l'un des artefacts correspond à celle d'un autre sur une autre planète, de taille encore supérieure. Cet endroit est dans ma liste depuis un moment, mais le profil ne correspondait pas exactement. Maintenant que nous avons plus d'artefacts, les similarités sont plus claires. Parfait. Laisse-moi transférer les données. Mais reste bien sur tes gardes. On ignore de quoi il s'agit ou encore pourquoi c'est si gros. Je t'envoie le marqueur le plus proche possible. J'ai du mal à localiser la source. Tu devras explorer la zone à pied et utiliser ton scanner. On ignore ce que vous trouverez. Ouvrez bien les yeux. Non. Suis ton scanner pour te rapprocher de ta véritable destination. Il faudra peut-être une journée de marche, mais c'est le quotidien des explorateurs. Tu cherches l'œil du cyclone. Toute cette histoire n'est qu'un tourbillon, mais il faut s'armer de patience pour en atteindre le cœur. Cette anomalie semble sur... Super, faisons affaire. Ah non, là, je me plante, en fait, c'est moi qui lui... Je suis pas de mon coin, en fait. On partagera nos pensées une autre fois. Je viens de dépenser de la thune pour rien, c'est pas grave. Bon, bah parfait, on va s'arrêter ici. Une heure de vidéo, on est pas trop mal. Toujours des longues vidéos avec un jeu aussi long. Mais, prochaine fois, j'ai envie d'attaquer les ranchers. J'ai envie d'aller attaquer les quêtes de faction. Mais d'aller voir un peu ce que ça donne. Pipalipalam. Je pense qu'on va aller faire ça. 98-145, ok. Ça en fait, il doit me prendre de... autant de place. Ouais, tu vois, tout de suite là, j'ai tout de suite beaucoup plus de place, quoi. Force de trouver tout ce qu'on trouve là. C'est bien, ça va vider un peu l'inventaire. Toujours rien. On peut récolter davantage de ressources organiques. Commune et peu. Nanana, ok. Bon bah parfait. Bah, on va continuer ça. Je ne sais pas. Je vais voir. On va voir ce qu'on va faire. Ah oui, c'est quête de faction. Quête de Lucé. Ça, je commande toujours pas. Ça, c'est nul qu'ils aient pas trié. Parce qu'il y a des choses tout qui sont un truc. Visiter la maison de Vladimir. What bordel de merde. What bordel de merde. Ah, c'est vol 2. Ah bah en vrai, on sera à mi-chemin. Si on fait la quête principale. Ah non, c'est Procrayon 2. Juste à côté. Plein de choses à fouiller, à voir. En vrai, ça va. Quand tu commences à voir, à te repérer et tout, tu te dis, ok, il y a beaucoup de planètes, beaucoup de choses, mais on a déjà fait quelques-unes. Quelques-unes. Faut pas déconner non plus quand je vois le nombre de points rouges qui me reste. Mamma mia. En plus, il y a un système de niveau que j'ai absolument pas respecté.
Moi, c'était deux. En tout cas, j'aurais compris. Je pense que ça veut dire que... Ouais, plus tu t'éloignes, plus c'est du niveau... Wow, niveau 70, Barden. C'est quoi ce chemin de la mort, là? Il y a des trucs. Bon, mettez un j'aime, commentez, allez voir les autres vidéos, les autres let's play. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette aventure au prochain épisode. Je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao, ciao.